Bonjour à tous. Donc, encore Elerina Medium, et je vous fais une écriture automatique sur l'archange Michael, dont c'est la fête aujourd'hui, le 29 septembre. Donc, nous sommes à la fin du mois de septembre, le 29, et je tenais absolument à faire une écriture automatique avec l'archange Michael, qui est aussi mon guide. Voilà, sachez-le. J'ai fait en amont la protection. Donc, tous, ils ont répondu présent. Ils sont là pour me protéger. Voilà, pendant cette écriture automatique, pour ne pas qu'une entité vienne prendre possession de mon enveloppe charnelle. Voilà, alors je vais souhaiter d'abord une bonne fête à l'archange. Je fais appel à lui, savoir si il est bien là et s'il veut bien communiquer avec moi. Archange Michael. Michael, Michel, appelez-le comme vous voulez, c'est la même chose. Bon. Et pour vous faire plaisir, parce que j'ai eu des remontrances la dernière fois, je vais l'appeler Michael. Archange Michael, êtes-vous là pour communiquer avec moi, Elerina Medium? Je vous souhaite une bonne fête, mais je crois que on se tutoyait, hein, puisque tu es mon guide, je peux te tutoyer. Je te souhaite une très très bonne fête. Ah. Alors, il me dit oui, tu peux me tutoyer. Merci, il me dit, pour tes bons vœux. Bon. Maintenant, je laisse libre cours à tes pensées. Michael, qu'as-tu à nous révéler? Bon, ce sera, je pense, une vidéo assez courte, puisque ce n'était pas prévu, mais je voulais absolument faire une écriture automatique sur toi, parce que c'est ta fête aujourd'hui. Alors, qu'as-tu à nous annoncer d'important qui va se passer en France et de par le monde? Alors, il dit, en France, ce sera difficile. Le chef. D'État. Alors, le chef d'État, français, bien sûr, sous-entendu, se mêle trop des affaires international. Ah bon, ben, je suis ravie de l'entendre, hein, parce que moi aussi je le trouvais, hein, je trouvais qu'il s'occupe des choses où il doit rester en dehors de tout ça, quoi, des conflits au Proche-Orient. Peux-tu me dire, Archange Michael, peux-tu me dire la suite des événements au Proche-Orient, s'il te plaît?
Alors, le Proche-Orient sera toujours en guerre contre les Libanais. Bon. Alors, il dit, mon Dieu, c'est difficile de relire là, hein? Oh là là. Le Proche-Orient sera toujours en guerre contre les Libanais. Ensuite, d'autres pays du Proche-Orient viendront à la rescousse du Liban et engendreront une guerre sans précédent dans le monde arabe. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Bon, mais je l'avais sorti, je crois, dans une voyance, il me semble, oui. Ben, c'est la voyance d'hier, en fait. Bon. Je ne veux pas mettre à mal les abonnés. Que peux-tu me dire Archange Michael, sur ce que nous pouvons vivre en France, surtout en France. Alors, il me dit, des manifestations terribles auront lieu contre la cherté de la vie. Je ne veux pas t'inquiéter, me dit-il, mais hélas, nous sommes à l'orée de la troisième. Et puis il dit le mot, hein. Mais moi je vous le dis pas, et vous avez compris. Bon, je vais en rester là. Je te souhaite encore une fois une très très bonne fête, Saint-Michaël. Je te remercie pour cette écriture automatique, cette communication, cet échange. Je me permets de te faire un bisou, de t'embrasser avec toute mon affection. Au revoir. Mon guide préféré. Alors, il me dit, merci, ma gentille Elena, je t'embrasse. Et il me dit à bientôt. Voilà, mes amis, c'était l'écriture automatique sur l'archange Michael. Voilà. N'oubliez pas de mettre un like, hein? Ça fait marcher l'algorithme de YouTube. Au revoir.